nom de Jésus. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Lève la main, tu vas dire ce soir, Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi par de grandes délivrances. Réponds-moi par de grandes victoires. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de tout ce qui me fait peur. Mon frère, parle, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Je suis là ce soir pour te chercher. Pour te chercher, oh mon Dieu. Réponds-moi. À cause de Jésus, réponds-moi. Réponds-moi par de grandes délivrances. David dit, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré des choses qui me font peur. Mon frère, prie, insiste. Seigneur, je suis là ce soir pour te chercher. Réponds-moi. Pas de grande délivrance, de grandes victoires. Mon frère, prie. Prie avec ardeur. Prie sous l'inspiration de l'Esprit Saint. J'ai cherché mon Dieu, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pray. Il est le Dieu de la délivrance. Réponds-moi, Seigneur. Pas de grande victoire, de grande victoire. Réponds-moi ce soir. Pas de grande délivrance. Prie, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Si notre vie est ordinaire, s'il n'y a pas de surnaturel dans notre vie, nous sommes dans la religion. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, Dieu de miracles, réponds-moi ce soir par de grands miracles. Réponds-moi par le surnaturel. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dans toutes les situations de ma vie, Père, je suis là ce soir pour te chercher. Réponds-moi. Pas de grands miracles. Dans chaque aspect de ma vie, Seigneur, réponds-moi ce soir. Pas de grands miracles. Des grands miracles. Par le surnaturel, dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, dans mes finances, dans ma carrière, dans mon corps. Seigneur, réponds-moi ce soir. Par des miracles. Par le surnaturel. Pray. C'est ça la différence. Que nous ne sommes pas dans la religion. Pray. Insiste. Seigneur, réponds-moi ce soir. Je suis là pour te chercher. Réponds-moi. Pas de grands miracles, des grands miracles, des miracles tangibles. Dans chaque aspect de ma vie, dans ma maison, mon foyer, ma carrière, mes activités, mon corps, ma santé, ma vie spirituelle. Prie, insiste. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu du surnaturel. Prie. Insiste. Pray,
pray, pray, pray, pray. Ta prière manque d'engagement. Ta prière manque d'engagement. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Frère, normalement, j'ai prévu qu'on parle ce soir de la prière de la foi. Mais je suis poussé à ce qu'on prie. Rapidement. Reste debout comme ça. La prière de la foi, c'est quoi? Je vais te donner juste deux petits points. On va continuer prochainement. C'est la prière adressée à Dieu avec foi. C'est la prière adressée à Dieu avec l'attente et la conviction que ce qu'on dit va se passer comme ça. Quand on prie comme ça, Dieu agit toujours. Frère, souvent nous prions. Parfois on transpire. Mais on ne s'attend pas à ce que ça se passe comme nous sommes en train de le dire. Zacharie était dans la prière. Il est un soir comme ça. Prière du soir. Quand l'ange est venu pour lui dire, Zacharie, ta prière est exaucée. Ta femme va tomber enceinte. Elle t'accouchera un fils qui sera ta joie. Zacharie n'a pas cru ça. Mais il priait. Il était dans la prière. Alléluia. Amen. Je prie pour toi. La foi qui va se joindre à ta prière. Pour que ta prière devienne une prière de foi. Que le Saint-Esprit lui-même te donne cette foi au nom de Jésus. La conviction dans la prière. Jésus a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Un homme qui prie avec foi s'attend à ce qu'il soit toujours exaucé. Il le demande dans son attitude, il le demande dans ses paroles. Amen. Amen. La Bible dit ici, Matthieu 19, verset 26. Donc, frère, ne prie pas seulement, mais prie la prière de la foi. Attends à ce que Dieu fasse ce que tu dis. Il est capable et il a les ressources. Tu peux dire amen pour ça? Amen. Est-ce que tu peux dire amen pour ça? Amen. Matthieu 19, 26. Oui. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Tu vas frapper les mains. Tu seras en train de prier jusqu'à ce que je dis amen. Si c'est la seule requête, sois en train de prier jusqu'à ce que je te dis, jusqu'à ce que je t'arrête. Tu vas dire ce qui est humainement impossible jusque là dans ma vie. La Bible dit ça là, c'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Tu vas dire ce qui est humainement impossible, impossible selon la force, les moyens, les capacités de l'homme. Ce qui était humainement impossible dans ma vie, dans la vie de mon mari, ma femme, mes enfants, ma carrière, ma santé, n'importe quel aspect de ma vie, tu vas dire Dieu de miracle, Seigneur, fais-le dans ma vie ce soir, fais-le pour moi ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier. Prie avec foi. Ce qui est humainement impossible. Ça a été impossible jusque-là. L'impossible dans ma vie, dans mon foyer, mon mariage, mon avenir, la vie de ma femme, mes enfants, mon ministère, tout ce qui a été impossible humainement, impossible aux hommes, impossible à moi-même.
Seigneur, fais-le ce soir de manière surnaturelle. Fais-le de manière miraculeuse. Seigneur, fais-le ce soir, fais-le ce soir. Prie, prie, continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Humainement impossible, ce qui a été impossible. À moi-même, aux hommes. Jusque-là, dans ma vie, dans la vie des miens. Mon Dieu, mon Père, Dieu de miracles, toi à qui rien n'est impossible, fais-le ce soir, fais-le ce soir, fais-le dans ma vie, fais-le pour moi, fais-le, Seigneur, fais-le. Prie, 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 prie. Sois en train de prier. Prie. Offre à Dieu la prière de la foi. Présente à Dieu la prière de la foi. Crois qu'il est capable, crois qu'il va le faire. Aux hommes, cela était impossible. Mais à mon Dieu, tout est possible. Pray. Ce qui a été humainement impossible jusque-là. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père. Impossible aux hommes. Impossible à moi-même. Tu vas dire, Seigneur, fais-le. Mon Dieu, fais-le. Je sais que tout pouvoir t'appartient. Rien n'est impossible à toi. Fais-le. Fais-le. Prie. Ferme tes yeux et prie. Prie avec foi. Il est capable. Il a le pouvoir. Rien n'est impossible à notre Dieu. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Peut-être que tu as fait tous les efforts. Tu as déployé tous tes efforts. Mais sans solution. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Mon frère, pray. Les hommes n'ont pas pu changer ça. Mais Dieu peut changer cette situation. Avec les hommes, ça a été sans solution. Dieu a une solution divine pour ça. Mon frère, pray. Mon Dieu, mon Père, rien n'est impossible à toi. Tout pouvoir t'appartient dans le ciel et sur la terre. Fais ce qui est humainement impossible. Dans ma vie, dans la vie des miens, ma femme, mon mari, mes enfants, mon corps, mon service, ma carrière, mes finances, mes activités, mes relations. Tout ce qui a été humainement impossible. Mon Dieu, mon Père, fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Pour qu'on sache que c'est toi qui l'as fait. Prêt. Continue à prier. Continue à presser de l'avant. Continue à presser de l'avant. Yeah. Les hommes ont essayé de t'aider. Mais rien n'a été. Mais ce soir, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu de la Seigneur, fera l'impossible dans ta vie, dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants. Ce qui a été irréversible, Dieu peut aujourd'hui renverser cela. Prie, continue à prier, insiste. Prie. Crois, en parlant, crois que ça va se passer. Ce n'est pas là que les gens verront que tu es un Dieu. Quand ils verront l'impossible se passer dans ta vie, crois, ne regarde pas aux réalités, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux efforts que tu avais déployés. Aux hommes, cela était impossible, mais Dieu peut le faire. Prie, continue à prier.
pris la prière de la foi. Prie la prière de la foi. Prie la prière de la foi. Dieu vivant, Dieu tout puissant. L'impossible. 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 Presse de l'avant. Ce que toi-même tu as combattu sans pouvoir le vaincre. Le Dieu des cieux peut le vaincre pour toi. Il te donne la victoire sur ça. Prie, insiste. Insiste, insiste. C'est les hommes qui ont dit que c'est incurable. C'est les hommes qui ont dit que cette maladie-là ne peut pas guérir. Mais Dieu peut te guérir. Il peut te délivrer complètement. Mon frère, prie. Aux hommes, cela est impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il dit seulement, il dit, et les choses se passent. Mon frère, parle. Prie avec foi. Continue à prier. Ouais. Presse là-bas. Ce soir, tu vas témoigner de ce qui était impossible. Believe it, crois ça. Cette situation humainement impossible jusque-là va devenir un témoignage pour la gloire de Dieu. Pray. Insiste. Continue à prier avec foi, avec attente et conviction. Que ce que tu dis va se passer comme ça. Pray. L'impossible humainement. Dieu a fait l'impossible dans la vie d'Abraham. L'impossible dans la vie de Sarah. Pour les hommes, c'était fini. Mais Dieu s'est levé, il a fait. Une personne a traîné une maladie pendant 12 ans. Les hommes ont atteint leur niveau, leur capacité. Mais un jour, elle a raconté Jésus, le miracle s'est produit. Mon frère, ça peut se passer avec nous. C'était impossible que David ait la victoire sur Goliath. C'était humainement impossible. C'est une victoire divine. C'est une victoire humainement impossible. Mais Dieu lui a donné cette victoire.
Est-ce que tu peux presser de l'avant? Les géants devant toi. Les situations intraitables. Les montagnes que tu ne peux pas surmonter. La mer que tu ne peux pas franchir. Ce qui est humainement impossible. Dis-moi, Dieu, mon Père. Ce qui était impossible à moi-même. Impossible aux gens à qui j'ai recouru. Les gens que j'ai sollicités. Ce qui était impossible à moi-même. Oh Père, ce soir je te cherche. Réponds-moi, Père. Pray, 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 pray. Tu es capable, oh Dieu. Rien n'est impossible. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, la puissance qui accomplit la parole de Dieu est dans la parole. Est dans sa parole. Listen. Docteur. Écoute. Docteur. On dit. Alléluia. Tu es avec moi. Amen. Jesus. La Bible dit. Marc chapitre 2. Marc, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire, on va commencer par le verset premier. La Bible dit ceci. Quelques jours après. Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole de Dieu. Des gens vinrent à lui, amenant un homme paralytique. Porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'atteindre, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi dit au paralytique. Amen. Amen. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant, Jésus voyant leur foi dit au paralytique. Il dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu seul. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire? Premièrement, là-bas, on a dit, il dit au paralytique.
Ici, verset 9, il dit lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques. Tes péchés te sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Je te l'ai dit. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Lève ta main, dis Seigneur, ce soir, dis la parole de ma délivrance. Quand il va le dire, demain ne va pas voir ça. Dis la parole de ma délivrance. Le centenier est allé voir Jésus. Il dit, mon serviteur est couché, malade et mourant. S'il te plaît, fais quelque chose. Jésus a dit, j'irai le guérir. Reste là. Dis seulement la parole. Dis la parole de sa guérison. Et il sera guéri. La Bible dit, il dit et la chose arrive. La terre sous tes pieds là. Dieu a dit. Et la terre là, ce n'est pas fabriqué. Tu vas élever la voix. Seigneur, dis la parole de ma délivrance. Dis la parole de mon miracle. Dis la parole de ma victoire. Seigneur, dis la parole. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, demande à Dieu de parler sur ton besoin. De dire la parole sur ton état. De dire la parole sur ta situation. De dire la parole sur ton foyer. De dire la parole sur ton enfant. Seigneur mon Dieu, mon Père, dis la parole de mon miracle ce soir. Pray. Par ta parole, il parlera. Parle et Dieu parlera. Dis la parole sur mes entrailles. Dis la parole du miracle sur ma situation, sur mon état. Dis la parole de la victoire sur mes luttes et mes conflits. Mon frère, prie. Si tu as compris, presse de la voix. Tes paroles vont le pousser à parler. Pray. Pendant que tu parles, le ciel prend des initiatives sur ta tête. Pendant que tu parles, le ciel prend des initiatives pour ta situation. La parole sortira d'en haut. Du trône du Tout-Puissant. Si ta situation, si ton état, si ce qui se passe dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants, la parole de ta guérison sortira. Parle. Mon Dieu, mon Père. Ce soir, dis la parole de ma délivrance. Dis la parole sur mes luttes et conflits. La parole de la victoire. Dis la parole du miracle sur ma situation, sur mon état. Dis la parole de la victoire.
In the name of Jesus. Ici, dans ce même passage, le passage a conclu, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tu seras en train de frapper les mains jusqu'à ce que je t'arrête. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, fais du jamais vu. Ce que les gens vont voir, ils disent, ça là là. Ils disent, le first time, c'est la première fois. Tu vas dire, fais du jamais vu. Avec moi, avec moi. Fais du jamais vu. Dans ma vie, dans ma situation. Dans ma maison, ma carrière, mes activités, dans la vie des miens. Seigneur, fais du jamais vu. Ce que les gens vont voir, c'est tourné. Seigneur, fais-le ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains et prie, 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 prie. Il est le Dieu du jamais vu. Yes, il est le Dieu du jamais vu. Pray, 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 pray. Du jamais vu. Ce qui va étonner les gens. Ce qui va bouleverser les gens. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, fais-le avec ma vie. Fais-le avec la vie des miens. Fais-le dans ma maison. Fais-le dans ce ministère. Fais-le dans la vie des frères. Fais-le dans la vie des sœurs. Du jamais vu, du jamais vu. Ce qui suscite l'étonnement et les questionnements. Seigneur, fais-le. Oh Dieu, fais-le. Seigneur, fais-le. Prie. Tu jamais vu, tu jamais vu, tu jamais vu. Yes, yes, yes. Presse de l'avant. Presse de l'avant. Ce qui va étonner. Étonner, étonner, étonner. Ce qui va susciter des questionnements. Les gens vont pouvoir se poser des questions au sujet de ce qui s'est passé. Mon frère, prie. Yes. Kalaba, Zikata, Mabrosoto. Ferme tes yeux et prie. Prie avec inspiration. Insiste. Tu jamais vu, tu jamais vu. Pour les hommes, c'est gâté, c'est fini. Ils ont déjà fait ça, pour eux, c'est conclu. Mais le Dieu des miracles. Le Dieu dit jamais vu peut encore faire quelque chose. Ça a tué les gens, mais ça ne va pas te tuer. Pray, 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 pray. Pray. Seigneur, fais du jamais vu. Mon Dieu, mon Père, dans ce ministère, dans cette nation, Seigneur, fais du jamais vu. Dans la vie des miens, Seigneur, fais du jamais vu. Du jamais vu, du jamais vu. Ce que les gens vont voir et s'étonner, se poser des questions au sujet de ce qui se passe. Seigneur, fais-le. Où que vous soyez, soyez en train de prier avec ces requêtes. Ça peut se passer même maintenant. Oui, l'impossible, ce que tu ne pouvais pas faire, va se passer maintenant dans ta vie. Le miracle prouvé, testé, va se passer avec toi. Presse de l'avant. Seigneur, fais du jamais vu. Du jamais vu, du jamais vu. Ce que les yeux n'ont jamais vu. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ce que les oreilles de l'homme n'ont jamais entendu. Mon Dieu, mon Père. Seigneur, fais-le avec moi.
Seigneur, fais-le avec ma vie. Seigneur, fais-le avec ma vie. Seigneur, fais-le avec la vie des miens. Mon frère, continue à prier. Cette heure de prière peut changer l'histoire de ta vie. Cette heure de prière que nous sommes en train de faire peut te faire entrer dans le repos définitivement. Ça peut changer une situation de vieil âge, une situation désespérée. Pray. Jesus name you pray. Amen. Dis amen si tu as requête de prière. Amen. Tu vas prier au nom de Jésus que toutes les situations déplaisantes et indésirées, les situations déplaisantes et indésirées qui perdurent ou qui se répètent dans ma vie ou dans la vie des miens ce soir de manière définitive, Seigneur, mets fin à cette situation. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec ardeur. Toutes les situations déplaisantes, les situations indésirées dans ma vie, dans ma maison, dans mon mariage, dans ma carrière, dans ma profession, dans ma vie spirituelle, dans la vie des miens, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon conjoint, de manière définitive, Seigneur, élimine-les. Mets fin à cette situation. Est-ce que tu peux prier? Pray. Les situations indésirables qui traînent les pas ou qui se répètent. Immédiatement, Père. Élimine-les. Yes, pray. Mets fin à cette situation. Mets fin à cette situation. Dans ma vie, dans la vie des miens. Mon frère, prie encore plus avec d'ardeur. Ça peut finir ce soir. Dans tes affaires, ça peut finir. Dans ton foyer, ça peut finir. Dans ton corps, ça peut finir. Dans ta maison, ça peut finir. Dans la vie de ton mari, ça peut finir. Dans la vie de ton enfant, ça peut finir. Dans la vie de ta femme, ça peut finir. Dans ton mariage, ça peut finir. Dans tes finances, ça peut finir. Dans ton corps, ça peut finir. Les situations indésirables, les situations déplaisantes qui traînent les pas, qui perdurent ou qui se répètent, Isaïe met fin à cette situation. Par ta puissance souveraine, élimine cette situation. Continue à prier. Pray. Les situations indignes, indésirables, déplaisantes, qui perdurent ou qui se répètent dans n'importe quel aspect de nos vies, Père, élimine-les. Mets fin à cette situation. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Répète avec moi, Jésus ne ment pas. Dis ça très fort, Jésus ne ment pas. Sa parole est la vérité. Et elle s'accomplira. Celui, amen. Puis il a dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu vas prier avec engagement. Que les miracles que tu as promis, que ça va accompagner les croyants. Que ces miracles deviennent évidents dans ma vie. Dans ma vie de tous les jours, les miracles que tu as promis, que ça va accompagner la vie des croyants, que ces miracles accompagnent ma vie. Chaque aspect de ma vie, que ces miracles deviennent évidents. Élève la voix, frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie Adama, Adama, Adama. On ne voit pas ces choses dans nos vies. C'est comme s'il nous a menti. Voici les miracles qui accompagneront les croyants. Un croyant doit avoir une vie de miracle. Un croyant doit avoir une vie de miracle. Mon frère, prie. Oh, prie. Jésus le véritable. Ta parole est la vérité. Les miracles que tu as promis, que ça va accompagner la vie des croyants. Que ces miracles accompagnent ma vie. Chaque aspect de ma vie, la vie des miens, au nom de Jésus, que ces miracles sans restriction deviennent évidents dans ma vie. Pray. Le croyant doit avoir une vie de miracle. Pray. Il a défini les miracles. Il les a cités, les a nommés. C'est le signe que nous croyons. C'est l'indication que nous croyons. Réclame pour chaque aspect de ta vie. Est-ce que tu peux prier? Oh Jésus, le véritable. Ta parole est la vérité. Les miracles que tu as promis, que ça va accompagner la vie des croyants, de ceux qui croient en toi. Que ces miracles accompagnent ma vie, qu'ils deviennent évidents dans chaque aspect de ma vie. Mon frère, continue à prier, réclame. C'est une prière de réclamation. Mon frère, prie, réclame ces miracles, leur accomplissement. Pray, réclame. Que tes miracles accompagnent ma vie. Que ces miracles deviennent évidents. Dans le nom de Jésus. Amen. Galates 3:9. Ça dit ceci. De sorte que ceux qui croient sont bénis comme Abraham le croyant. Abraham Galates 3:9. Abraham Amen. Tu vas élever la voix. Dieu d'Abraham. Bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Yes, bénis-moi comme Abraham. Abraham. C'est une bénédiction sans restriction. Une bénédiction sans restriction. Il a été béni en tout.
Et si vous allez plus bas, vous allez voir même les bénédictions spirituelles sont dedans pour vous. On a parlé de l'esprit que Dieu va donner à ceux qui croient. Lève la main. Tu vas dire Dieu d'Abraham. Bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Bénis-moi d'une bénédiction qui ne manque de rien. Bénis-moi comme Abraham le croyant. Le premier jour où j'ai lu ce truc, ça m'a frappé très fort. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Nous, il y a beaucoup de choses qui manquent à notre bénédiction. Rien ne manquait à la bénédiction d'Abraham. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi comme Abraham. Bénis-moi comme tu as béni Abraham. Bénis-moi d'une bénédiction qui ne manque de rien. Bénis chaque aspect de ma vie. Mon frère, prie. Bénis ma maison. Bénis, 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 bénis l'œuvre de mes mains. Bénis-moi comme tu as béni Abraham. Bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. Que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma maison. Que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans mon ministère. Mon frère, prie. Que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans la vie des miens. Ma femme, mes enfants, soit béni de la bénédiction d'Abraham. Pray, 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 pray. Ah ah, ta prière manque d'engagement. Pray. Ce qui manque à ta bénédiction, par cette prière, Dieu va compléter cela. Pray. Yeah. Pray. Si c'est la santé qui manque à ça, si c'est la victoire qui manque à ça, si c'est l'enfant qui manque à ça, si c'est la paix qui manque à ça, si c'est la grâce spirituelle qui manque à ça, mon Dieu, mon Père, bénis-moi comme tu as béni Abraham. Que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie, soit accomplie dans la vie des miens. Mon frère, prie. Une heure de prière qui peut changer ta vie. Une heure de prière qui peut changer ta situation. Qui peut débloquer ce qui est bloqué. Ouvrir ce qui est fermé. Changer l'inchangeable. Vaincre l'invincible. Mon frère, bénis-moi Père de la bénédiction d'Abraham. Abraham est invincible. Lui seul, avec ses serviteurs, il a vaincu 4 ou 5 royaumes coalisés. Sa force n'est pas humaine, c'est la force de Dieu. Il a vieilli sans enfant. Mais un jour Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans recevoir cette bénédiction. Mon frère, prie. Seigneur, bénis-moi de la bénédiction qui ne manque de rien. De la bénédiction sans restriction. Bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Bénis-moi comme tu as béni Abraham. Que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. Que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. Que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. Pray. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernière requête de prière. D'accord, tu vas dire tous ceux qui complotent ou conspirent contre moi. Qu'ils soient seuls ou qu'ils s'assemblent. Au nom de Jésus. Qu'ils soient victimes de leur complot et de leur conspiration. Nous
Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Fire, prayer, fire, prayer. Tous ceux qui conspirent, tous ceux qui complotent contre moi, ma femme, mes enfants, mon ministère, ma vocation céleste, notre avenir, qu'il soit seul ou qu'il s'assemble, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit victime de leur conspiration, qu'il soit victime de leur complot. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Ceux qui complotent et conspirent contre mon mari, ma femme, mes enfants, qu'ils soient victimes de leur conspiration. Qu'ils soient victimes de leur complot. Les gens qui conspirent contre moi sur le plan professionnel, qu'ils soient victimes de leur conspiration. Les gens qui complotent contre moi en famille, n'importe où, qu'ils soient victimes de leur complot, de leur conspiration. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Tous ceux qui conspirent, complotent comme des miens. N'importe où, dans le spirituel ou parmi les hommes. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient victimes de leur complot. Qu'ils soient victimes de leur conspiration. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas prier Dieu que les réalités du Saint-Esprit, sa présence et ses œuvres soient évidentes dans ma vie. Est-ce que tu peux dire amen pour ça? Élève la voix et prie avec engagement pour ça au nom de Jésus de Nazareth. Que les réalités du Saint-Esprit, la présence et les œuvres du Saint-Esprit soient évidentes, évidentes, évidentes. Soient évidentes, évidentes, évidentes. Dans chaque aspect et domaine de ma vie. Prie. Insiste, insiste, insiste. Prie. Mon frère, prie, réclame la présence et les manifestations évidentes du Saint-Esprit. La réalité du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Dans chaque aspect de notre vie. Prie. Que notre vie devienne surnaturelle par le Saint-Esprit. Prie. Insiste, 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 insiste. Insiste. Ta prière manque d'engagement. Elle manque d'engagement. La présence, les œuvres, les manifestations du Saint-Esprit deviennent évidentes, évidentes, évidentes. Et pas occasionnellement, mais de manière permanente. Dans chaque aspect et domaine de ma vie. Seigneur, je réclame la présence, les manifestations et les œuvres réelles, tangibles du Saint-Esprit. Dans chaque aspect, dans tous les domaines de ma vie. Mon frère, prie, insiste. Ta prière manque d'engagement. Prie. Prie, prie, prie. La présence et les manifestations. Les gens qui sont derrière, ne dormez pas là-bas. Vital. Hein? Vital. Frère Paulin. Cette soif ne doit pas nous quitter.
La soif d'expérimenter en permanence la présence et les œuvres du Saint-Esprit. Les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Cette soif ne doit pas nous quitter. In Jesus' name we pray. Amen. Commence à dire merci au Seigneur. Si tu as fait la prière de la foi, crois que tu l'as reçu. Crois que c'est fait et commence à dire merci. Rends grâce à Dieu par la foi. La foi ne voit pas avant de rendre grâce. Non, la foi ne voit pas avant de rendre grâce. Dis merci Père parce que tu m'as exaucé. Tu as fait au-delà de mes demandes par ta puissance. Say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Rends grâce à Dieu pour ce que nous n'avons pas dit et qu'il a fait. Parce que nous en avons besoin. Parce qu'il sait que ça nous convient. Dis-lui merci parce qu'il a touché même les nôtres qui sont au loin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dis merci avec joie. Dis merci par la foi. Celui qui fait la prière de la foi, il croit. Et il attend que la chose se passe comme ça. Dis merci, merci, merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant tu vas dire simplement Amen. Il y a la prière de la foi, il y a la parole de la foi. L'apôtre Paul dit, nous disons la parole de la foi. Je veux dire la parole de la foi sur toi. Que ça rencontre la foi en toi. Et ça va produire le miracle. Au nom de Jésus. Enfin, le dimanche passé, je vous ai dit que Jésus a fait deux déclarations formelles. Il dit, tout est accompli. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Mon frère, lève la main. Il a le pouvoir de faire ce que tu as dit ce soir. Que cela se passe comme tu as dit. Que tout ce que tu as dit ce soir, par son pouvoir souverain, se passe comme tu les as dit au nom de Jésus. Se passe comme tu les as dit au nom de Jésus. Par sa puissance qui dépasse toute puissance. Qu'il fasse au-delà de ce que ta bouche a dit ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bless you. Bien-aimé, acclame pour le roi des rois. Pour ce temps de prière, acclame pour Jésus. Amen. Nous voulons passer un autre moment. Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolonabo moinanga et salaite. Yo mata nanakita. Ona sale la yo pe longo na yo. Mata nanakita. Sani zande ngana zamo sani. Solo. Yo neta tanga mwana. Mwana, mwana. Matangana kilibana talo yesu. Oyo zani zambe ngana za mosali. Kusina yuda yesu. Yonde tatanga mwana. Aleluya. Salanga mwana na mpunda. Ete omata. Kwa ete nyoso bako tia na siena olokola bomengo. Là, il y a le côté à moi. Salanga mwana na mbate.
Oitata ba fingi ba tongi to ba lobi na lobelo kote yon loloba pointe maloba na yo le pokisamaka kati na bomo ya moto ami kitisi ba matina ngomba Yesu na ba ye kolikasi Yesu akomimisato Yesu Mose na Elia Petelo tunine sengo alobi tutu ngande banda komoko ya Yesu elipe Moise kasi amibosani ye moko e matangala kibala talo e osani zango lona za Mose yonde papa na bana ye yonde tata na mwana sana na ngolwete yo matangala kita matangala kita sana zambe na ngaye oyosani zambe Zambe yamba mikitisi Yonde tata ngambo Si na yunda Na lola ba position misato Kovanda kotele makofukama Kotele mabatwa louange Kofukama adoration Kovande zali ya yesu Oye ayambi louange Pe adoration ya banso Komona yoshua meshia Matangala kita Yonzambe Oyo zanzambe Yonzambe